Alors avec l'ami Benoît, tous les deux, on est des grands Estois. Des grands Estiens. On vient du Grand Est, quoi. J'ai du mal à trouver le nom de la région, c'était pas pour trouver le nom de leurs habitants. D'ailleurs, on a des sondages dans la presse, et ils nous proposent trois propositions dans l'Est républicain. Grand Estois, Grand Estien, Grandiose. On est dans l'hésitation. Moi, je suis né à Sedan, en fait, dans les Ardennes. Vous voyez où c'est, les Ardennes? Charleville, Nouzonville, Montermé, Givet, tout ça. La Meuse fait des jolies boucles comme ça. Dans la dernière boucle avant la Belgique, paf, une centrale nucléaire. Mon papa, il faisait des camions et il livrait tout un tas de petites usines, et des grosses d'ailleurs, des métalleries, des fonderies le long de cette Meuse. À l'époque, hein, parce que maintenant, c'est plutôt des parkings, des supermarchés, des salons de sport. Et là où j'habite, en Lorraine, aujourd'hui, c'est pareil, hein, du côté de Florent, Jucange, Sérémange, Ayange, les derniers au fourneau ont arrêté de cracher leur fumée vers le ciel, avec les promesses des politiques enterrées aux pieds. Politiques de tous bords, dont les promesses, elles aussi, sont parties en fumée. Et nous aurons bien... Je ne vous fais pas dire. Alors la chanson qui vient aurait pu s'appeler du nom de ces grands capitaines d'industrie qui passent leur temps à balancer des équipages par-dessus bord, comme Monsieur Mittal, Monsieur Peugeot, Monsieur Carlos Ghosn, Monsieur Carrefour, Monsieur Conforama, Monsieur Cora, Monsieur Whirlpool, Monsieur Medef. Monsieur Boulot, on te voit plus dans la région depuis un bail. T'es parti ou t'as disparu, à Kiev, à Pékin ou Shanghai. Nous on t'avait toujours connu, t'étais de toutes nos batailles. T'habitais juste au bout de la rue, t'as tout laissé pour ce travail. T'as pris avec toi tes affaires, tes tours, tes fraiseuses, tes camions. Maintenant l'usine c'est un cimetière et les 3-8 on tourne en rond. Si tu voyais comme c'est rouillé, la boutique où on s'est connu. Bureaux squattés, les murs tagués et les cheminées qui ne fument plus. Monsieur Boulot, pour qui tu bosses, depuis que tu nous as oubliés. Je sais pas si t'avais des gosses, mais les nôtres, ils peuvent plus te saquer. Pôle Sud, Pôle Nord, Pôle Emploi. On a beau y croire tous les jours, on cherche partout mais on trouve pas. Et on commence à être à court après tout ce qu'on a fait pour toi. T'as même pas laissé un petit mot, t'as préféré partir comme ça. Ici on vit comme un salaud, j'espère qu'on te reverra un jour. Que tu repasseras par chez nous et même si c'est plus trop de l'amour, on t'en voudra pas pour un sou. Monsieur Boulot, tu fais la course aux bénéfices et aux rendements. Et même si t'en as plein les bourses, de tes dollars, de tes placements, tu te souviens plus comme c'était beau. Reviens faire un tour par ici, on rallumera les hauts fourneaux à l'accordéon sur nos amis. Monsieur Boulot, qu'est-ce que tu deviens? La vie sans toi, c'est plus pareil. Depuis qu'on te voit plus dans le coin, on dort plus sur nos deux oreilles. Pour la communion du dernier, on aurait aimé que tu sois là. On doit même plutôt t'avouer que ce sera pas facile sans toi. On t'aimait bien dans le quartier, on comptait tous un peu sur toi. Pour la bagnole, pour le loyer, pour boucler la fin des 12 mois. Mais quand on te voit à la télé prendre la pause et faire le beau, on se dit que le fric t'a bien changé. Pourtant tu manques, pourtant tu manques, Monsieur Boulot. Thank you.